Bonjour à tous et bienvenue sur Ezio Cavallo Halfinger et une vidéo un peu spéciale puisque je ne peux pas monter, je me suis fait une entorse et je suis malade. C'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à sortir la vidéo. Voilà. Oui, j'ai eu Ezio assez un an. Je l'ai eu le 29 mai, plus exactement. Oui, Ezio vient d'un petit élevage familial où la personne fait pas mal d'arbre finger. Effectivement, Ezio a vécu plusieurs mois en semi-liberté avec sa mère, à la montagne tout simplement. Oui, Ezio est un arabo finger, sa mère est une arabo finger et son père est un finger. Et oui, étant une fan de jeux vidéo, je voulais juste... voilà, je suis restée dans les noms des personnages. Oui, Ezio fête ses 4 ans le 15 avril. Oui, j'ai castré Ezio à 2 ans. Alors, j'ai mis un peu de temps, c'est vrai. En fait, j'hésitais encore un petit peu à le garder entier ou pas. Les choses ont fait que je l'ai castré. Oui, Ezio a déjà essayé une fois. Par imprudence de ma part. Voilà. Ezio a fait beaucoup de bêtises, oui. Oui, j'ai eu des soucis avec lui. Il m'a arraché la longe, il faisait plein de conneries quoi. Après, c'est rattrapable, comme vous pouvez le voir, il a arrêté certaines conneries. Mais il a fait des conneries et parfois il en fait encore, il trouve toujours un truc. De toute façon, il touche. Ouais, il touche à tout ce cheval, donc niveau conneries, level. Oui, Ezio est le plus petit de sa famille, ses sœurs sont très grandes, malgré le fait qu'elles ont. Qu'elle soit plus jeune. Sa mère fait 1m45, son père fait 1m50. Oui, Ezio adore l'eau un peu trop, puisque même l'hiver, ça lui arrive de me traîner entre guillemets, quoi. Traîne pas dans l'eau, tout simplement. Moi, je me les calme, mais lui, il est content d'aller dans l'eau. Ouais. Oui, je n'avais que mon galouane, et c'est vrai que c'est mon premier poulain. Pas mon premier cheval, mais mon premier poulain. Ouais, j'ai validé mon galop 2, je n'ai pas réussi à valider le galop 3. Tout simplement parce que le dressage a été validé. Et je me suis foirée à l'obstacle tout simplement. Oui, Ezio a été débourré à 3 ans, par moi et une autre personne de l'écurie. Oui, nous voulons découvrir beaucoup de disciplines, on ne veut pas s'arrêter au dressage et à l'obstacle. Comme voilà. On veut faire beaucoup de choses en fait, on veut faire... Je dis on, mais lui peut-être comme... Peut-être pas, hein, j'en sais rien. Mais je sais qu'il se plaît beaucoup aux nouvelles choses, donc voilà. On fait du tap, on fait du dressage, on saute, on fait beaucoup de balades. Mais on veut essayer plusieurs choses. Voilà, moi j'aimerais bien essayer le western, j'aimerais bien essayer plein de choses quoi. Et oui, Ezio a été débourré au sans mort. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accident avec Ezio, donc cette personne. Et du coup, je lui mets un mort pour sortir, pour le moment, tant qu'il n'est pas posé. En carrière, par contre, il est monté en Akamor, il est monté en side, en école. Il ne connaît pas la cordelette encore, peut-être un jour. Mais voilà, il s'est débrouillé très bien en carrière, il n'y a pas de souci. En extérieur, il est très vif, etc. Et pour le moment... Je veux pas essayer de suite en fait, je veux attendre qu'il soit un peu plus posé pour passer au centre. Voilà. C'était tout, alors il y en a que 17, je sais, c'est une vidéo plutôt courte. Mais déjà ça permet de varier, ça permet aux gens de connaître un peu plus parce que les gens me connaissent beaucoup sur Facebook, mais c'est vrai que sur YouTube, je parle pas beaucoup de moi, je mets beaucoup de bonnes choses. Bah, parce qu'après il m'arrive pas mal de bonnes choses aussi avec lui. Mais c'est vrai que j'ai pas parlé des problèmes. Comme j'ai dit un peu plus tôt, il a fait beaucoup de bêtises. Hein. Quelques soucis avec lui, il sautait les clôtures. Bon ça, voilà. Il défonçait les clôtures. Il m'arrachait la longe. Donc on a réussi à... on a réussi à régler les problèmes. Ça lui arrive de temps en temps de tirer sur la longe, mais il se fait recadrer de suite. Comme je l'ai dit, c'est mon premier poulain, donc j'apprends également. Voilà. Toute erreur est humaine, comme on dit. Voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Voilà, ciao ciao!